Salut les copains! Alors, comment ça va aujourd'hui? Bon, nous, aujourd'hui, c'est plus vieux. C'est pour vieux. Ça qu'on se retrouve dans Alfred, parce que on va pas mettre un pied dehors. Là, le temps irlandais. Voilà, ça y est, là, on baigne dedans. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Non, parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous présenter la célèbre Rome, la capitale de l'Italie. Voilà. Mais avant, on s'est fait une petite blagounette. On est tombé en panne de chauffe-eau. Eh oui, c'est parti! Et oui, à peine arrivé, midi et demi, il fait 40 degrés, ça va chauffer. Alors, le chauffe-eau ne se met pas en route, on n'entend pas le clic-clic-clic-clic qui fait démarrer le gaz. Donc, il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Ce qui est sympa, c'est qu'il faut retirer tout pour pouvoir y accéder. Ça, c'est le petit souci. Parce qu'il est là-dessous, le chauffe-eau, sur les loulous. Et on est tout sorti. Sésame, ouvre-toi. Oh, des chaussures. Oui, un petit peu de poussière. Dis-nous, qu'est-ce qui va pas? Oui, dis. Donc normalement, il doit y avoir un fusible quelque part par là, qui est là derrière. Comment je fais pour ouvrir ça, moi? Bon ben voilà, j'ai démonté le boiler Truma pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc j'ai vérifié la carte mère, il n'y a pas de souci. Normalement, le petit fusible est encore bon. Seul hic, il n'y a pas de jus qui arrive du tout dans les câblages. Donc là, je me dis, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir. Et en levant la tête, petit éclair de génie, il y a un truc qu'on n'a pas pensé, c'est la sécurité fenêtre. Là, vous regardez là. Donc cette petite merde là, juste ça, qui je sais pas pourquoi, la caisse doit bouger, tout ça. Et ben du coup, elle était plus en contact et elle faisait croire à mon boiler que j'avais la fenêtre ouverte, et donc il y a la sécurité qui se met en route. Donc voilà, donc j'ai juste mis un petit tampon pour refaire contact avec. Je ferme, on entend le clic, ça fait contact, et là hop, on ferme bien tout et on pète tout. Voilà, je mets l'électricité. Et ça marche pas. Et si ça marche? Ah, tu m'as foutu le trac. Et voilà, c'est parti. Et voilà comment on récupère, on répare un boiler. En fait, j'ai rien fait. C'est vraiment juste une merde. Alors, comme vous avez pu le voir, bon, c'était pas vraiment panne. C'était vraiment ce petit contacteur de fenêtre là. En plus, ça nous est arrivé une fois à Pise. Et en même temps, la sonde de l'eau pour savoir à quelle hauteur est d'eau, a merdouillé aussi. On s'est dit qu'il y avait peut-être un lien. Et puis on a roulé, et puis ça a refonctionné, et quand on arrive à Rome, rebelote. Du coup, ils pourraient mettre quand même un voyant pour ça, parce que ce bip de contacteur de fenêtre là, on n'y pensait même plus, parce que nous on l'utilise pas du tout cette fenêtre. Vu qu'il y a la cage des loulous et qu'on ferme le store, que la fenêtre est tout le temps fermée, on n'y pensait carrément plus. Heureusement que un dernier moment j'ai vu ce truc, sinon ça aurait pu carrément nous péter nous coûter une blinde au garage si on aurait pu se faire avoir quoi. Voilà, mais du coup tout ce que je conseillerais, c'est de mettre un petit voyant pour dire attention, il y a le contacteur qui est pas mis, parce que rien que pour ça on a tout démonté dans le fourgon quoi. Bon allez, maintenant fini les bêtises, on part visiter Rome. Bon, Rome est une très très grande ville, c'est une capitale.
Donc, on va pas vous présenter chaque pierre, chaque monument dans les grands détails. On va pas vous faire un reportage historique sur Rome. On va vous montrer vite fait tout ce qu'on a vu au cours de ces 2 jours sur Rome. Et bien sûr, n'oubliez pas, en descriptif de la vidéo, de cette vidéo, je vais y arriver, je vous mettrai un maximum de détails sur le parking, les sites pour acheter des billets, le prix des billets, et tout ça, et tout ça. Donc voilà, et maintenant, ouvrez grand les yeux. Allez, c'est parti pour la visite de Rome aujourd'hui. On a enfourché les bicounes, on est arrivé tant bien que mal, et maintenant, direction le Mont Palatin. Et ça y est, nous voilà au Mont Palatin et on a une belle vue sur tout le Forum et le Colisée. C'est bon, c'est... plutôt pas mal la vue, hein. Allez, nous on va descendre pour aller voir à quoi ça ressemble le Forum de plus près sous ce cagnard impressionnant qui fait trop chaud. Au passage, pour info, le Mont Palatin, en fait, se trouve dans le Forum. C'est hallucinant, même encore aujourd'hui, il n'arrête pas de déterrer des poteries. Bon, c'est la cata. Les ruines romaines ont eu raison de mes godasses. Maintenant, il va falloir que je finisse la journée avec ça. Pas gagné l'histoire. Et voilà, on a fini la visite du Mont Palatin et du Forum romain. Et là, on est parti pour le Capitole et la Plaza Venezia. Bon, finalement, on va manquer de temps pour aller jusqu'au Capitole. Donc, on s'est contenté d'un monument sur lequel on est tombé, celui de Victor Emmanuel II. C'était plutôt sympa et en plus, ça nous a permis de voir une belle vue. Et le pied là, on va se faire le Colisée.
Vos impressions? C'est grand. C'est grand, grand. Et voilà, le magnifique Colisée, c'est terminé. Bon, maintenant on va aller se balader et se désaltérer. Oups, on a déjà tout fini. Ça fait du bien quand même un bon petit spritz. Allez, première journée à Rome, ok. Maintenant c'est fini Caput. Au dodo. Et pendant qu'il y en a qui usent leurs semelles dans les rues de Rome, d'autres ont la belle vie, tranquille. C'est parti pour le jour 2 à Rome. Voilà, on va aller voir le Vatican et la chapelle Sixtine. Allez, on est parti pour 20 minutes à pied, puis un petit tour en métro. Voilà. Ça y est, on a nos tickets en poche. Maintenant, on se dirige vers le Vatican. Voici dans le plus petit pays du monde. Et pas sans mal, hein. C'est pire qu'un aéroport. Ah, c'est pas un pays, hein. Il y a une douane, une frontière, il y a tout. Pas content, pas gentil. Donc voilà, on va aller explorer donc la super chapelle Sixtine. Voilà, et le Vatican. Ouais. On verra peut-être le pape. Peut-être. On peut gagner. Alors le Vatican, bah c'est un peu mitigé. Bon, alors déjà, bon bah on, quand on rentre, on se prend un contrôle un peu style douane, aéroport. Bon, c'est vrai que le Vatican est un petit pays. Après, du coup, on arrive dans le musée du Vatican finalement, et donc c'est un grand dédale de couloirs avec des œuvres diverses et variées. Alors moi, ça m'a plutôt plu. Il y a eu quelques trucs de sympa. Il y a des vieilles cartes, comment d'Europe, tout ça, qui sont assez cool à regarder. Bon, et l'eau a moins kiffé. Mais bon. Et là, enfin, on arrive à la chapelle Sixtine. Alors, la chapelle Sixtine, il y a quand même quelque chose à part. Donc, c'est à voir quand même. Le plafond est magnifique. Bon, bah, vous aurez pas de photos, hein, parce que on n'a pas le droit de prendre de photos dans la chapelle Sixtine. Mais bon, il faudrait que vous le fassiez quand même.
Après, donc, finalement, bon, on a fait le tour une fois arrivé à la chapelle Sixtine, et là, bah, on veut aller voir la basilique. Alors, la basilique, bah, du coup, on l'a pas trouvée dans le Vatican. Parce que nous, l'entrée, eh ben, elle est en dehors du Vatican. Donc, il a fallu qu'on ressorte du Vatican. C'est pour ça que, bah, c'est un petit peu compliqué, c'est pas très bien indiqué, finalement. Donc, on est ressorti du Vatican, et on a été voir cette fameuse basilique. Donc, bah, il y a plus de vidéos. On a disparu, les vidéos. Mais bon, on a quand même pu les apprécier, de l'extérieur. Alors que de l'extérieur, parce qu'il y avait une queue de fou. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 2h30 de queue pour aller la voir à l'intérieur. Et il faisait 35 degrés. Enfin là, nous, on sentait pas. Alors on regrette un petit peu quand même. Mais bon, c'est le jeu. On y retournera peut-être une autre fois. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même vu énormément de belles choses à Rome. Regardez. Ça y est, on en a fini avec le Vatican, donc maintenant on se dirige vers le Ponte Sant'Angelo. Et voilà, nous voici au Ponte Sant'Angelo. Il y a le Castello Sant'Angelo. Maintenant, direction la Piazza Navona. Et voici la Piazza Navona avec tous ses petits restos. Et les milliers de personnes. Voilà, au Panthéon. Et voilà, maintenant on est parti pour la Piazza del Popolo. Bon, bah avant la Piazza del Popolo, on a chuté, on avait un peu faim, un peu soif. Donc du coup on a été chercher une sorte de petit panini ou un petit croquet. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon appétit. Et voilà, c'était la Plaza del Popolo. Et maintenant, on va aller faire un petit tour dans les jardins et la Villa Borghese. Ça y est, nous sommes à la Villa Borghese, qui est un petit peu en fait comme un grand parc avec plein de petits monuments à voir, donc on va aller explorer ça. Oh,
En fait, concrètement, la Villa Borghese, c'est la Villa Borghese. Nous, là, on était dans ses jardins. Mais ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre. Et finalement, on n'a pas été voir la Villa Borghese. On a vu juste ses jardins. C'était déjà pas mal. Et voilà, on a fait une petite balade dans les jardins de la Villa Borghese. C'était plutôt sympathique, on a flâné, ça, il y a même un petit pépin, c'est assez sympa. Bon, c'est terminé, et là on va direction la Fontaine de Trévi. Bon, pour le baby, on mettra peut-être une petite pièce ou deux pour qu'elle fasse un souhait. Ça y est, on est à la Fontaine de Trévi. Bon, maintenant on va essayer de se frayer une petite place pour aller jeter nos pièces. Bon, j'ai pas quoi spécialement, mais on va tenter quand même. Je vous assure, moi aussi j'ai eu le droit à mon vœu. C'est juste que le caméraman n'a pas appuyé sur le bon bouton. Ben oui, avec la chaleur, on ne pouvait que craquer pour une petite gelato. Après la Fontaine de Trévi, on s'est laissé tenter par une petite glace quand même pour se remettre un petit coup de boost. Et après, on a atterri à la Piazza Spagna, encore une place d'Espagne en Italie. Pas mal, hein? Maintenant, on va aller chercher le petit quartier un peu branchouille sympa pour aller prendre un verre. Donc, c'est dans le quartier Trastevere, un truc comme ça. Je l'écrirai peut-être si je l'ai mal dit. Enfin, voilà. Donc, on se rendez-vous là-bas. Et voilà, nous voici au quartier de Trastevere et on va se trouver une petite terrasse pour finir cette dernière journée de visite de Rome. C'est parti! Il avait dit toutes les routes, même Torum. C'est pas mal, hein. Deuxième journée à Rome, terminée. Ça y est, c'est la fin. On vient de se prendre un petit verre bien mérité dans le quartier de Trastevere. Et maintenant, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Donc voilà, encore une petite heure de marche et on sera arrivé à la maison. T'as pas oublié quelque chose, Mika? Oh putain, je suis garde en double fil. Alors, ça, c'était le Cirque Maxime. Donc, c'est là où il y avait les courses de chars, tout ça. On va emprunter l'arène.
quand même, il faut avoir de l'imagination. Hein. Parce que normalement, il y avait une grande piste de chars pour faire une course de chars avec des gradins tout autour pour regarder la course de chars. Et maintenant, il n'y a plus rien. Bon ben voilà, il reste un petit peu de vestige quand même du cirque Maxime. Et tout ce qui reste. Et Maximus, tu dormus. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais le chemin qui mène à la maison, il est trop long. J'ai trop mal aux pieds. C'est dur. 5 km à pied. Salut. Ils font peur en plus. Et voilà, c'était Rome. Donc, comme vous avez pu le voir, on a vu beaucoup de choses en deux jours. Et oui, Rome, c'est grand, c'est une capitale. Donc, deux jours, c'était un peu sportif. Je pense que trois, ça aurait pas été trop. Et ça m'aurait surtout évité de finir avec des cloques de malade sous les pieds. Donc, n'hésitez pas à prévoir quand même trois jours, je pense, pour faire une belle visite de Rome, car il y a quand même pas mal de choses à voir. Et je voulais relever un point qui est un peu général sur l'Italie, mais qu'on a énormément ressenti à Rome. Sur la route, c'est des malades. C'est des gros psychopathes. Et quand vous êtes piéton, concrètement, vous risquez votre vie à chaque fois que vous passez un passage piéton. C'est un truc de fou. Ils sont flippants, ils roulent vite, ils arrivent de partout, il y a des scooters de partout. Les feux passage piéton sont hyper furtifs. Des fois, vous êtes à peine engagé, paf, ça passe au rouge. Donc, soyez prudents sur la route. En Italie, que ce soit en voiture ou en piéton. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si elle vous a plu, mettez des petits pouces. Et aussi, donnez-nous vos avis en commentaire. Voilà. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper de nos aventures. D'ailleurs, activez la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes nos vidéos. Oui, parce que d'ailleurs, il va y avoir encore pas mal de vidéos sur le soleil, la chaleur et l'Italie. Oui, mais pas que. Mais pas que, parce que dans quelques temps, il y aura aussi l'Irlande. La pluie irlandaise. La pluie irlandaise. Mais pas que non plus. Pas que la pluie. Mais pour ça, il va falloir avoir encore un peu de patience, parce que pour l'instant, on a encore beaucoup d'aventures italiennes au soleil et sous la chaleur à vous présenter. Donc, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt les copains. Bonjour Piadé. Bonjour Piadé.